Alors, Maths en 8, c'est un projet interdisciplinaire en français, mathématiques et avec l'utilisation des outils numériques, car on s'appuie maintenant sur le cadre de référence des compétences numériques pour valider certaines compétences. Et donc, c'est ancrer les mathématiques dans le réel avec des photographies. Donc, les élèves sont amenés à prélever des informations sur les photos, à créer des énoncés. Et c'est vraiment, ça fait partie de la vie quotidienne des enfants. C'est pas un problème qui est un peu comme l'âge du capitaine. Il y a 26 moutons et 30 vaches dans le bateau. Quel est l'âge du capitaine? Où les enfants, il y a une perte de sens. Et c'est quand même dit dans les enquêtes PISA que les élèves français sont faibles à ce niveau-là. Madame Erami, vous faites vivre ça dans une classe de CP. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et ce que ça vous apporte par rapport à une pratique de classe plus conventionnelle, dirions-nous ? Alors, ce qui m'a amené à utiliser Maths en vie en classe, c'est un choix dans les supports. Je voulais ouvrir les possibilités d'utilisation des supports pour la résolution de problèmes et sortir du classique énoncé de problème écrit ou oral. Et l'énoncé grâce à la photo permet d'être plus explicite pour les élèves, plus concret et effectivement de davantage coller à leur quotidien et à des choses qu'ils connaissent. Donc après une longue préparation à la compréhension du problème, qu'est-ce que c'est, en quoi il consiste, j'ai choisi cet outil parce qu'il est interactif aussi. Donc là, nous avons utilisé beaucoup de problèmes rédigés par d'autres classes de CP qui ont été mises en ligne sur Twitter. Donc on résout les problèmes de pairs. Et là, nous sommes en train de construire des problèmes nous-mêmes en classe. Et nous comptons également les partager sur Twitter, notamment la semaine prochaine, puisque s'ouvre la semaine des mathématiques et du numérique. Et donc, Maths en vie crée un événement et propose des échanges entre classes. Merci beaucoup, madame. Pour comprendre Maths en vie, donc je vais vous présenter une petite vidéo donc qui regroupe des activités à mettre en œuvre dans le cadre de l'enseignement des mathématiques. Ces activités trouveront naturellement leur place dans une progression parce que ce n'est pas une méthode, c'est un dispositif. Donc chacun peut se l'approprier et l'insérer dans sa programmation. Elles permettent d'aborder de nombreuses notions mathématiques à travers la résolution de problèmes. On teste en impliquant les élèves dans la recherche de situations réelles à photographier. Ils vont pouvoir entraîner leur regard à faire le lien entre cette réalité et les situations mathématiques. Ils vont également se constituer un répertoire mental de situations qu'ils pourront convoquer dans certaines situations similaires. Ainsi, le projet propose différents types d'activités, allant du cycle 1 au cycle 3, mais aussi au cycle 4 sur le site. Donc, il privilégie l'importance d'ancrer les situations problèmes pour le réel, afin de les armer en tant que futurs citoyens, à savoir se repérer dans le monde actuel, à créer le goût de chercher et de résoudre les problèmes, à apprendre à traiter des informations, à prendre conscience de l'importance de l'énoncé dans la résolution de problèmes et se constituer des répertoires mentaux pouvant aider au passage de l'abstraction pour se représenter la situation. Après, il peut y en avoir plusieurs, c'est pas un peu classé, il n'y a pas de souci. C'est justement ça qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir plusieurs questions, et puis à chaque fois qu'ils font une formation, ouais, ça c'est les durées. La durée, ça c'est une capacité aussi. Si on prend ça, Le vrai disque, c'est de la vraie. Ça, celui-là, c'en est un. Celui-là, c'en est un. C'est un. Ça sert. Ça sert.